Salut tout le monde, c'est Rust. Je vais vous accompagner sur ce documentaire pour vous donner le plus d'informations possible pour aller avec les images que vous allez voir. Parce que ce ne sera pas un documentaire traditionnel, ce sera un documentaire créé uniquement à partir d'images, d'insights de backstage filmés par Fernand Lopez lui-même. Nous, on a uniquement organisé ces images pour qu'elles suivent la chronologie des événements de la semaine du combat de Cyril en Uruguay à Montevideo, à l'UFC. Alors un grand merci à Fernand, déjà, et au MMA Factory pour nous avoir permis de diffuser toutes ces images. Et voilà, notre documentaire commence bien évidemment à la maison, à l'usine à champion à la française, le MMA Factory. C'est un centre d'entraînement qui fait partie des meilleurs d'Europe, créé et géré par Fernand Lopez, et qui est d'ailleurs ici, là tout de suite, au PADS avec Cyril. Alors, ce qu'il faut savoir avant de commencer à lancer les images issues de la semaine à l'UFC, c'est que Cyril Gane, c'est quelqu'un qui vient du pied-point, du Muay Thai, et qui gérait, avant d'être signé à l'UFC, une carrière en même temps dans le pied-point et dans le MMA. D'ailleurs, le Glory, qui est la meilleure organisation de kickboxing au monde, avait fait signer à Cyril Gane un contrat de 4 combats, et contrat pendant lequel il était prévu que Cyril rencontre le champion Rico Verhoeven, qui est le champion depuis un sacré paquet de temps déjà. Donc tout ça pour vous dire que Cyril, c'est déjà la pointure, c'est la crème de la crème au niveau du pied-point. Et au moment où l'UFC l'a appelé, il avait déjà signé au Glory. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'UFC a un contrat d'exclusivité. C'est-à-dire que quand vous combattez à l'UFC, vous pouvez combattre nulle part ailleurs, et quelle que soit la discipline, à part quelques exceptions pour la lutte ou le jiu-jitsu. Et donc Cyril et Fernand, avec le Management Factory, ont décidé de rompre le contrat avec le Glory, parce que c'est une occasion qu'ils ne pouvaient pas laisser passer, et de signer avec l'UFC. Après, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve, et Cyril peut très bien revenir vers le pied-point une fois que sa carrière de MMA sera terminée. Voilà, ça c'était sa parenthèse background. Maintenant, alors revenons à nos affaires. Il était champion du TKO MMA au bout de 2 combats professionnels seulement. Le TKO MMA, c'est une organisation canadienne de combat libre. Son 3e combat, il a défendu la ceinture en mettant KO son adversaire brésilien. Et voilà, on en arrive ici et maintenant pour ce 4e combat professionnel, qui est aussi donc son premier à l'UFC. Et l'organisation américaine a décidé de le mettre contre un adversaire qu'il connaît bien, puisqu'il était censé l'affronter au TKO MMA, Rafael Pessoa, un brésilien de 1m90 pour 120 kg. Et alors que la spécialité de bon gamin, maintenant vous le savez, c'est le combat debout, la spécialité de Rafael Pessoa, c'est le jiu-jitsu brésilien, c'est le combat au sol qu'il pratique depuis plus de 10 ans. Donc voilà, on a 2 spécialistes, même si chacun bosse évidemment dans les disciplines dans lesquelles ils sont les moins bons, puisque Cyril s'entraîne 70% du temps maintenant pour ce qui est de la lutte et le combat au sol, c'est ce qu'il disait avec Fernand Lopez dans une interview. Eh bien Rafael Pessoa, sa spécialité c'est le jiu-jitsu, mais maintenant il s'entraîne un peu plus sur le combat debout, et il met KO puisqu'il a mis 6 adversaires KO sur les 9 qu'il a combattus, et les 3 autres il a gagné quand même. Mais trêve de bavardage, on vous laisse maintenant avec les images de l'arrivée de la team en Amérique du Sud. Là, le mec il a des gants, ça met ce soir. Bonjour. Oui, oui. Are you serious? That's like 4 years that you're coming to Paris and you say oui, oui. Are you serious? Oui, oui. After all this time that Riesling was trying to teach you French and you're like, oui, oui. Je m'appelle. Je m'appelle. Je m'appelle. Je m'appelle. Hello, Monica. Je crois que c'est ça que je m'appelle. Je m'appelle. Ah, bon voilà, Véronica et Cyril, ils sont en train de parler français, c'est compliqué en fait.
Bon, Cyril, qu'est-ce que tu nous dis en espagnol? Parce que là, on est en Uruguay. Yeah, exactly. Faut que tu dises quelque chose. Oui, oui, oui. Because you're repeating things. Yeah. Like, you say oui, oui. Okay. Can you just talk a little bit in Spanish with a... Yeah. Oh, he beat me already. Yeah. Como Cyril. 29 años. Oh. Putain, comment des habitants. I want you to tell him how to say I live in. I live in. So. Yo vivo to Paris. In Paris. Because he didn't learn the Spanish in school, he's learning with the series on the TV, Netflix. So he's trying to talk like the people that you see in the Pablo Escobar, you know, shit. He's trying to talk like the Pablo Escobar shit. Alors, la combattante que vous venez de voir, c'est Veronica Macedo. C'est une combattante vénézuélienne qui s'entraîne avec Fernand Lopez et avec le MMA Factory, qui fait partie donc de l'équipe et qui combattait sur la même carte que celle de Cyril Gann à l'UFC Uruguay à Montevideo. En fait, il faut se dire que c'est pas une coïncidence. L'UFC fait généralement en sorte que les combattants qui font partie des mêmes équipes puissent combattre sur les mêmes cartes pour que ce soit plus pratique pour eux. C'est pour ça qu'ici on retrouve et Veronica et Cyril, et donc Fernand Lopez et une partie de l'équipe du MMA Factory. Généralement, les combattants et les entraîneurs viennent une semaine avant sur les lieux là où auront le combat. Pour s'acclimater parfois à l'altitude, il se peut qu'ils viennent plus tôt, parfois un mois plus tôt, on l'a vu avec Fabricio Werdum au Mexique, mais il faut vraiment que le camp ait les moyens. Et qu'est-ce que font les combattants quand ils viennent pendant une semaine? Eh ben en fait, voilà, ils font tout ensemble. Ils déjeunent ensemble, ils sortent ensemble, et ils font leurs activités ensemble. Et ils vont avoir tout un tas d'obligations, que ce soit des interviews, des photoshoots ou des choses comme ça. Maintenant, je vous laisse avec Fernand, Cyril et Veronica, et je me tire. Ah, il veut pas donner son truc. Wolfie, what's going on? With me? Okay. I'm gonna win. En vrai, elle fait semblant de tirer parce qu'elle pourrait tirer plus fort, mais elle le fait pas. Elle veut jouer. Alors pendant la semaine du combat, chaque combattant a tout un tas d'obligations. Ça peut être des interviews, ça peut être comme ici avec Mike Perry de signer des posters qui seront ensuite soit donnés, soit revendus.
Ils ont des tests antidopage, puisque l'UFC est très connu pour être à cheval sur tout ce qui est dopage justement et ne laisse rien passer. Il y a des tests avant et après les combats. Mais ça peut aussi être, pour Cyril Gane particulièrement, puisque c'est son premier combat à l'UFC, des prises officielles de mesure de la longueur de ses bras et de ses jambes pour pouvoir ensuite les mettre dans le tableau des paramètres et des statistiques d'avant-combat. Et ses obligations, ça peut aussi être des photoshoots ou alors, comme ici, on filme Cyril Gane dans des positions bien définies, comme par exemple dans la garde ou les mains sur les hanches, puis on édite ces petits bouts de vidéo pour les mettre dans des trailers d'avant-combat de l'UFC. L'os iliac. Elle veut prendre la pointe de l'os iliac, elle colle la mesure dessus, comme ça elle est sûre qu'elle ne se fausse, elle ne râle pas la longueur de la jambe. L'os iliac, c'est l'iliac, c'est un os iliac. La pointe là, tu sens une pointe. Ouais, j'ai vu ça. C'est pour l'envergure. Elle a besoin que ce soit collé au mur. En gros, le fond de teint, au lieu de le mettre avec le pinceau, ce truc la dose en fait. C'est bon, tu touches, ça glisse pas. Ils sont des experts. Thank you, my man. We'll be right back.
prennes juste en photo, s'il te plaît. Ça va venir, t'inquiète pas. So you got mad, like, because you're gonna piss some shit off someone, you're happy for that. Jesus Christ, what's going on in this room? Maintenant, on arrive à une partie qui est très importante pour les combattants du pré-combat, c'est le moment où ils se font poser leurs bandes. Ce qu'on voit ici, sur les mains de Veronica Macedo, c'est plusieurs couches de tissu et de gaz qui vont recouvrir et le poignet et les phalanges du combattant. Puisque l'objectif ici, c'est pas tellement de réduire les impacts des coups en rajoutant des couches de tissu, mais c'est de garder en sécurité la main et le poignet du combattant, puisqu'une main cassée est très vite arrivée, et qu'au même titre que n'importe quel travail manuel, si un combattant n'a plus ses mains, eh ben il n'a plus son gagne-pain. Alors voilà, maintenant on a vu toutes les images des préparatifs d'avant-combat. Pour les combats en eux-mêmes, qu'on peut voir maintenant, bah vous connaissez sans doute déjà le résultat, c'est imperfect pour le MMA Factory, puisque Veronica Macedo a gagné son combat en 1 minute et 9 secondes par clé de bras, par armbar, contre Poliana Viana. Mais la surprise du chef, c'est Cyril Gann, qui s'impose par soumission en moins de 5 minutes contre un spécialiste des soumissions, Rafael Pessoa, arm triangle choke, absolument magnifique. Et maintenant, on vous laisse avec Cyril pour voir ce que c'est et vivre ce que c'est qu'une sortie d'octogone quand on est combattant professionnel. Possible, as soon as possible. That's what you said to me. You want to, yeah, you want to get fighting as soon as possible. That's what he said to me. Okay. He even asked me to fight so he can be in Copenhagen. Okay. Copenhagen. Oh, you like to fight in Copenhagen. Yeah. Okay. Okay.
ça se joue peut-être entre vous deux. Après le test de dopage en France et tout. Qu'est-ce qui se passe là? Petit pipi. T'as assez? C'est à tous les flacons là à remplir. Mais tu vas remplir deux flacons. D'accord. Il faut savoir que c'est dilué. Et voilà, victoire de Cyril Gane, victoire de Véronica Macedo, victoire du MMA Factory. Et nous, on arrive au terme de ce backstage là sur XMMA Factory. Et bah, si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu et puis abonnez-vous aussi. Si vous voulez toujours plus de contenu exclusif, de podcasts, d'interviews et d'autres insights. Et voilà, allez, à la prochaine.